Bonjour à tous, bonjour la petite biquette, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, si vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, si vous pouvez lâcher un petit like ou laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous remercie d'avance. Alors aujourd'hui, je vais vous parler. J'en ai pas assez. Tout ce qui est personnel. Là, quand vous rentrez dans le recrutement, dans la liste des bâtiments. J'ai fait déjà faire pause. Je vais vous montrer, voilà, liste des bâtiments. Bon, là, j'ai déjà utilisé tout, donc voilà. Mais vous avez contrariété. Vous voyez, au milieu, là. Hop. Merde, je vais me tromper. Je vais retomber dessus. Voilà. Là, il y a contrariété. Voilà, ici. Vous voyez, il y a contrariété. Elle commence à plus vous utiliser, plus la contrariété monte. Là, qu'elle est blanc. Mais dans une barre, si j'utilise encore une fois, elle sera rouge. Donc c'est chiant. Alors si vous voyez tout en bas à droite, il y a écrit le personnage. Et les trois dernières lignes, il y a écrit former, option de personnel et accorder un congé. En fait, il faut accorder un congé pour que ça revienne à zéro. Là, j'ai utilisé pour les trois autres. Vous voyez. Pour les trois autres, c'était rouge et ils sont revenus à zéro pour pouvoir les réutiliser. Pour les réutiliser, il faut acheter le bâtiment. J'ai presque plus de sous, j'ai plus de sous du tout. C'est ressources humaines, c'est celui-ci, voilà. Centre des ressources humaines, la RH quoi. Et en fait, il faut placer les unités dedans. Donc vous prenez celui-là, liste des scientifiques. Et là, vous sélectionnez, vous allez dessus, et normalement, c'est la touche X. Et en bas, normalement, accorder un congé, c'est bleu clair. Et il y aura écrit la touche sur laquelle appuyer pour pouvoir les soigner. Pour pouvoir les réutiliser, parce que sinon ils sont rouges et vous ne pourrez plus les réutiliser. Voilà. Hop. Bah, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. J'espère que je ferai d'autres vidéos plus tard. Et sur ce, bonne journée à vous. Ciao.